Salut à toutes et à tous les copains et les copines! Qui est une espèce de bestiole gélatineuse avec beaucoup de dents et qui nous prend en amitié puisqu'il pense que c'est nous qui l'avons sauvé en fait, vu qu'il était en prison également. Et il est vraiment. Il est vraiment hyper bien animé, il est vraiment attachant, Zemo. Et aucun dialogue dans le jeu. C'est tout à base de. Ah! Oh! Oh, oh, oh! Et tout est compréhensible, c'est ça qui est fun. Ça y est, voilà pourquoi je l'avais aimé, The Mo. C'est qu'il est hyper, hyper, hyper attachant. Ah oui, c'est sa laisse. Ok, c'est la laisse. C'est pour qu'il me suive. Pour gagner en puissance, il faut le faire manger. Regarde, il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il fait penser un peu à Olaf comme ça. Avec la langue. Excellent. Tu vois, ceux qui me disent, ouais, mais toi, tu critiques que les graphismes, tu juges que les graphismes, les graphismes font pas tout dans un jeu vidéo. Je fais, oui, je sais, merci. Tu dis ça à moi, le premier qui joue à des jeux indés, des petits jeux graphiquement, voilà, des jeux techniquement faibles, des trucs comme ça, oui. Quand je critique les graphismes, c'est parce qu'un jeu est vendu là-dessus. Par exemple, je vais critiquer le point des graphismes sur un Battlefield ou un Call of Duty, parce qu'il se base aussi là-dessus. C'est pour ça que je critique Mafia 3, parce qu'il se base aussi, c'est un triple A qui doit te foutre une claque graphique. Je juge sur ce que le jeu est censé me vendre. Là, le jeu ne me vend pas des graphismes, mais bon, il me vend un intérêt, une ambiance, et je vais pas le juger sur ses graphismes. Même si graphiquement, il est très chouette, il est très très chouette, il est très propre. Ah oui, voilà, c'est ça, faut le ramener sur le caillou. Et là, il y en a, il va le bouffer, il va essayer de le bouffer, mais comme il est sur le caillou, il va se... Angela, il va se péter la gueule. Allez, Mo, bouffe-moi ça. Oh, t'es moche comme ça, Mo. Il peut s'excuser. Ah, il y a encore lui. Ah, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Les animations sont trop chouettes. Quoi, ils ont peur de lui? Ils ont peur de lui? J'aime bien, ils comprennent pas. Et on sent l'amitié au fur et à mesure qui se lie entre eux en fait. C'est ça qui est génial. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es gros, Mo, hein. Là tu commences vraiment à être gros, hein. Il était plus petit que nous au début de l'aventure, hein, je vous le rappelle. Il prend la forme de du rocher. Ok, moi je peux te tabasser la gueule? Ouh là là, la vache, Mo! T'es de pire en pire là! Alors c'est quoi tes capacités? Oh, sérieux? Je suis Super Mo! L'attaque des tomates tueuses, tu connais? L'attaque du Mo tueur! Putain, il roule, il marche comme un appât. Ta 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 ta. Mais je suis con, pourquoi je l'écrase pas le roi? Avec Mo? Oh, me dis pas que c'est ça. S'il te plaît, me dis pas que c'est ça. S'il te plaît, me dis pas que j'ai perdu 10 minutes à tourner en rond alors que c'est ça la solution. Je suis désolé, les gars. Non, bon bah là je suis sûr que le rocher il pète pas avec ça, ok. Je le pousse le rocher! Oh putain! Faut le savoir! Faut le savoir qu'on peut pousser le rocher quoi! Les salauds! Ça va, j'ai pas planché trop, heureusement que j'ai fait exprès, j'ai fait semblant, j'ai fait... J'ai fait sans faire exprès, je veux dire. Le rocher, il a l'air plus gros que le tour du trou. Oh la vie, je suis fort, hein.
Ok. Je m'attendais pas à ça. Oh la vache! Oh ce qu'il lui a mis dans la gueule, je crois. Oh salaud! Oh genre dans l'explosion et tout, au ralenti, magnifique. Magnifique. Poitrine. Vas-y, fais-lui sa race. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Ouh, 30 minutes quand même. Et j'ai même pas planché, il était assez long ce niveau. On arrive au dernier niveau? Ah, on arrive au dernier niveau? Oh, on est au dernier niveau. Planète Mole, c'est le dernier niveau. Qui est super fun. Là, il est grand le mot. Ah, le jeu qui se transforme en Just Cause, quoi. C'est quoi? Ça marche comment en fait? C'est. D'accord, c'est du bombardement. Ah, ils le retiennent en fait, ils ont rattaché Mo. Le dévoreur de monde. Twisted Pixel Game. Voilà, il est magnifique, je le trouve magnifique ce jeu. Je le trouve vraiment, vraiment très, très, très sympathique. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de le faire. Très, très content d'avoir eu l'occasion de le faire.